Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. D'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Et avant de commencer, j'ai envie de vous annoncer, une nouvelle. C'est que tous les mois sur ma chaîne, je vais lancer un jeu concours d'un lot d'une valeur dont je ne dirais pas inestimable à gagner. Donc chaque mois sur la chaîne, il va y avoir un jeu concours où toi, ma Lucette, tu pourras gagner un énorme lot de laine et de fil. Alors pour ça, je te conseille tout de suite, mais tout de suite là, de t'abonner, d'activer ta petite cloche, comme ça tu seras au courant de ce qui va se passer. Donc c'est rendez-vous dimanche, voilà. Ce jeu va durer une semaine et je vous dis tout ça de toute façon dimanche, je vais vous montrer les fils, je vais vous montrer tout ce que vous allez pouvoir gagner. Mais maintenant tout de suite, on va faire ce magnifique joli petit haut entièrement en coton. Alors j'ai fait des demi-brides pleines. Donc ce qui fait qu'il n'est pas du tout transparent à part la partie d'en haut. Et puis toujours les petits détails que moi j'adore, vous savez. Maintenant, ce point on l'a un peu vu dans un de mes derniers tutos, mais c'est pas exactement le même. C'est des doubles brides croisées. Et celui que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'était des brides croisées. Voilà, très 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 facile à réaliser. Même les débutants peuvent se lancer sur ce genre d'ouvrage. Je vous le conseille, voilà. Si vous voulez rester avec moi, suivre le pas à pas, c'est parti. Pour ce travail, nous allons avoir besoin, alors pour une taille L comme moi, de 4 pelotes de Cupidon. Alors, chaque pelote pèse 100 grammes et mesure 240 mètres. C'est du 100% coton, de chez Lydia bien sûr. Conseillé à crocheter avec un crochet d'une taille de 3,5. C'est la couleur 021. De toute façon, je vais vous laisser tous ces petits détails dans le descriptif de la vidéo. Pour le crochet, on va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm. On regarde la taille qui est ici en millimètres, d'accord ? Et puis, tout simplement, une paire de ciseaux. Alors, nous allons faire deux pièces identiques à celle-ci. Voilà. Vous allez voir, on va partir du haut. D'abord, d'ici. Les bretelles, on les fera après. Enfin, les bretelles, le haut. On va commencer de là jusqu'en bas. Et ensuite, on reviendra ici et on montrera les rangées qui sont là. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, vous allez tout simplement prendre la mesure de votre épaule ici à épaule. Pas de là à là, hein, un peu plus vers l'intérieur. Et cette mesure, vous allez la transformer en maille en l'air. Moi, ça m'a donné un total de 64 mailles en l'air. Voilà, il faut que ce soit un chiffre pair. C'est toute la contrainte. Une fois qu'on a le résultat de nos mailles en l'air ici en largeur, on va descendre, on va faire des rangées avec un changement de point ici. Et ensuite, on va continuer, on va faire des augmentations à ce niveau-là pour que ça parte en évasé. Voilà.
Ici, par la suite, on rajoute de la hauteur et de la hauteur dans le dos, pareil. C'est très facile. Il faut juste que ce soit ici qu'on parte d'un chiffre pair. C'est parti donc pour 64 mailles en l'air. Alors, je vous conseille surtout de ne pas crocheter serré cette base, cette première rangée de chaînettes. 1, 2, 3 et 64 mailles en l'air. Alors ici, on va sauter les deux premières mailles en l'air à partir du crochet, 1 et 2. Et dans la troisième, on va faire une demi-bride. C'est-à-dire qu'on va passer, on va prendre du fil et on va passer dans les trois boucles en même temps. Dans chaque maille en l'air de la chaînette, on va faire une demi-bride. Et moi, dans mon cas, je vais avoir un résultat à la fin de cette première rangée de 62 demi-brides. Donc, 2 demi-brides de moins que la base chaînette. Vous voyez, je suis partie sur 64 mailles en l'air et je vais faire 62 demi-brides. On va faire ça, les amis, jusqu'à arriver à la fin. Et voilà, une fois qu'on a fini cette première rangée, on va faire une deuxième rangée où on va travailler toujours les demi-brides. Mais alors cette fois-ci, c'est pas comme les autres ouvrages où quand je monte des mailles en l'air, en général, c'est l'équivalent d'une bride par exemple. Ici, on va monter deux mailles en l'air. Alors je dis ça parce que les deux mailles en l'air vont nous servir simplement à monter la demi-bride. Et on va travailler directement dans le même espace. Donc on va faire la première demi-bride au même endroit. Ok ? Donc celle-là, c'est notre première demi-bride. Et ensuite, on fait une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver de l'autre côté. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'on fait à la fin de la rangée. Et voilà, arrivé à la fin, on termine en faisant notre dernière demi-bride dans la dernière demi-bride. Ici, on va monter deux mailles en l'air et on va faire une troisième rangée de demi-brides. On tourne, on fait la demi-bride au même endroit ici. Et une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Tout simplement. Et voilà. Pour la rangée suivante, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, oups, et 4. Nous allons travailler des doubles brides et dans ce cas-ci, ces 4 mailles en l'air seront notre première double bride. On va tourner et on va faire une double bride, donc on va faire 2 jetés et dans la bride de la demi-bride suivante qui est ici, on va faire notre deuxième double bride. Ok. Et maintenant, on va faire des doubles brides croisées. Donc on va sauter la demi-bride suivante et dans la suivante on fait une double bride. Deux jetés. Et dans la demi-bride que l'on vient de sauter, on va faire une double bride en croisant comme ça à l'avant. Ok. Deux jetés, on saute la demi-bride suivante et dans la suivante une double bride. Deux jetés, on va faire une double bride dans la demi-bride que l'on a sauté en croisant vers l'avant. Deux jetés, on saute la demi-bride suivante et dans la suivante une double bride.
deux jetés, on va faire une double bride en croisant vers l'avant dans la demi-bride que l'on a sautée. Voyez. On va continuer comme ça les amis, tout le long de la rangée, je vous remonte, on fait deux jetés, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante une double bride, deux jetés et on croise à l'avant, on fait une double bride dans la demi-bride que l'on a sautée. On se retrouve à la fin de la rangée. Ici, à la fin de la rangée, on laisse les deux dernières. Et on va faire... Enfin, on laisse les deux dernières. Dans les deux dernières, on va faire simplement deux doubles brides, pas croisées. Donc, dans l'avant-dernière demi-bride, on fait une double bride. Et dans la dernière demi-bride, ici, on va faire la dernière double bride. Donc, on commence et on finit par deux doubles brides sans les croiser. On va commencer par deux doubles brides et ensuite on va croiser. Donc dans chaque croisée, on croise. Alors je vais vous montrer. On monte 4 mailles en l'air pour faire la première double bride. Donc on a ici la première double bride. On tourne. Dans la double bride suivante ici, on fait une double bride. Et ensuite on croise. On saute la double bride suivante et dans la suivante, on fait une double bride. Deux jetés et on va faire une double bride dans la double bride que l'on vient de sauter. Vous voyez les amis? On saute la double bride ici suivante et dans la suivante, on fait une double bride. Et dans celle que l'on a croisée, que l'on a sautée en croisant vers l'avant, on fait une double bride. On va faire comme ça toute la rangée. Et une fois qu'on sera arrivé à la fin, n'oubliez pas, on termine par deux doubles brides. Je vous montre, sans les croiser, je veux dire, ici. Je vais vous montrer quand on sera ici, d'accord? Pour faire la deuxième rangée et ensuite on fera une troisième rangée identique à la deuxième. On se retrouve à la fin. Et voilà, on arrive à la fin de la rangée, on fait deux jetés et il nous reste la dernière double bride et les quatre mailles en l'air. On fait une dernière double bride dans la dernière double bride et une dernière double bride dans la quatrième maille en l'air ici. Puisque nos quatre mailles en l'air ici correspondent à notre première double bride. Et maintenant les amis, on va faire deux rangées identiques à celle-ci. Voilà, n'oubliez pas, on fait deux doubles brides non croisées devant, enfin au début et à la fin de la rangée. Et ensuite, c'est des doubles brides croisées, comme je viens de vous montrer. On va simplement répéter cette rangée deux fois. Ok? À tout de suite. J'ai oublié de faire une petite précision, c'est que si vous faites une taille plus petite, vous allez ici faire moins de rangées, par exemple 3 rangées ou 2 rangées. Si vous faites une taille plus grande, vous pouvez faire très bien 5 rangées, 6 rangées. Vous voyez, je vous conseille ici quand même d'essayer cette partie qui démarre en haut, en fait, au milieu de l'épaule. Et qui doit arriver au début de la poitrine. Voilà. Donc si vous faites par exemple une taille enfant, faites moins de rangées ici. Par exemple 2 rangées, ça suffirait. Et si vous faites une taille M, par exemple, faites 3 rangées. Et voilà les amis, j'ai fait donc 4 rangées de double bride croisée. Maintenant, je vais faire 3 rangées de demi-bride, ok? Comme ce qu'on a ici.
Alors, on va reprendre les deux mailles en l'air qui ne correspondent pas à une demi-bride. Elles nous aident juste à monter la maille. Donc, la première bride, on l'a fait, la première demi-bride, on l'a fait au même endroit. Voilà. On va faire une demi-bride, donc, dans chaque double bride jusqu'à arriver à la fin. Après, vous savez faire puisque je vous ai montré. Alors, ici, la dernière demi-bride, elle sera, voyez, dans notre quatrième maille en l'air, puisque c'est la première double bride, c'est nos quatre mailles en l'air. Donc on fera la dernière demi-bride simplement dans la quatrième maille en l'air ici, et ensuite on continue, ok, une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à avoir trois rangées, et on se retrouve à ce moment-là. Voilà les amis, après la troisième rangée, maintenant on va faire les augmentations. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est pour les tailles XS et S, donc les petites tailles, vous allez faire juste une rangée d'augmentation. Pour les tailles M et L, comme moi je vais faire deux rangées d'augmentation. Et pour les tailles plus grandes, XL, XXL, je vous conseille de faire une quatrième rangée d'augmentation. Et puis voilà, allez, c'est parti. Donc, pour la première rangée d'augmentation, donc on va monter les deux mailles. On travaille que en demi-bride maintenant. On tourne, on fait donc la première demi-bride dans la première demi-bride. Et dans la suivante, on fait une augmentation, c'est-à-dire deux demi-brides dans la même demi-bride. Une et dans la même deux. Dans la suivante, une. Et dans la suivante, une augmentation. Deux demi-brides dans la même. Une et deux. Dans la suivante, une. Dans la suivante, une augmentation. Donc, deux demi-brides dans la même. Une et deux. On va continuer comme ça, les amis, jusqu'à la fin de la rangée. Une demi-bride et une augmentation. Et voilà, arrivé à la fin, moi je termine par une augmentation. Ici. Je vais faire la rangée suivante, puisque je fais une taille L. Donc, pour la rangée suivante, on va faire une augmentation toutes les trois demi-brides. Alors, on va faire la même chose. Hein. Toujours, on commence toujours de la même manière. On monte deux mailles en l'air, on tourne. Et on fait la première demi-bride. Une. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Deux. Et dans la demi-bride suivante, une demi-bride. Trois. Et dans la suivante, une augmentation. Deux demi-brides dans la même demi-bride. À nouveau, une demi-bride dans la demi-bride suivante, une demi-bride dans la demi-bride suivante, une demi-bride dans la demi-bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Donc c'est bien une augmentation toutes les trois demi-brides. On va faire ça, les amis, jusqu'à la fin de la rangée et on se retrouve. Voilà les amis, moi j'ai fait donc deux rangées d'augmentation. Si vous faites des tailles au-dessus, je vous conseille pour la prochaine rangée de faire une rangée d'augmentation toutes les 5 demi-brides. À partir de maintenant, on va faire... vous, si vous faites une taille au-dessus, faites la rangée suivante et ensuite vous démarrez par ce que je vais dire maintenant, c'est que on va faire maintenant que des demi-brides, donc une demi-bride dans chaque demi-bride, rien de compliqué, que des rangées. J'en ai fait moi 39 en tout pour l'autre partie, donc je vais les compter et je vais en faire 39 à partir de maintenant. Tout dépend bien sûr de la longueur que vous souhaitez faire et c'est tout, voilà. J'en ai compté 39, donc le seul truc qu'il faut retenir ici, c'est que pour faire
les deux pièces identiques, simplement faites le même nombre de rangées. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, une fois qu'on a fini nos rangées de demi-brides, on va venir couper le fil. Enfin, d'abord, on fait une maille en l'air ici pour bloquer le fil, puis on le coupe et on passe le fil à travers. Ce même fil, on va venir lui faire une boucle car on va s'occuper maintenant des épaules. Ici, on va faire la même chose ici et la même chose ici. On va rentrer à chaque fois dans l'angle et ici on fera de la même façon. On rentre dans la première demi-bride ici et on prend le fil tout simplement. Alors, on fait deux mailles en l'air et on fait notre première demi-bride au même endroit. Ok, on va faire 20 demi-brides. Une. Dans chaque demi-bride, on va faire une demi-bride. Deux. Trois. Et 20 demi-brides. Maintenant, on va faire des rangées en aller-retour sur cette base de 20 demi-brides et on va faire 10 rangées en tout. Là j'ai la première, je monte deux mailles en l'air, je tourne et je commence la deuxième. Voilà, on va en faire 10 en tout, comme je vous disais. Ici ça dépend également de la taille que vous êtes en train de faire. Vous pouvez plus ou moins faire deux rangées. Et puis, l'important, c'est de faire la même chose également de l'autre côté. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci, on va faire pour la partie, pour la deuxième partie. Et puis après, on se retrouve à ce moment-là. Voilà les amis, je vous conseille de laisser un assez long morceau de fil lorsque vous avez fini pour la couture. Justement, on va passer à la couture. Une fois que vous avez fait vos deux pièces identiques, alors, il y a plein de petits fils, mais on viendra les cacher ensuite. On pose les deux parties l'une au-dessus de l'autre. On va coudre bien sûr en haut les deux bretelles. Et ensuite sur les côtés. Alors, à partir d'ici, à partir de l'augmentation ici jusqu'en bas, vous allez coudre une partie. Et pareil de l'autre côté, à partir ici à peu près des augmentations, vous voyez, hop, vous allez coudre l'autre côté. Je vais vous montrer comment on fait la couture, puisque à chaque fois vous me demandez la couture, donc vous passez votre fil . Vous allez coudre à l'envers, ce qui veut dire qu'ensuite vous allez retourner l'ouvrage. Alors, vous posez les deux parties l'une en face de l'autre. Et moi, ce que je fais pour que la couture ne soit pas trop épaisse, c'est que je prends simplement les brins intérieurs. Voilà. Je passe plusieurs fois dans les angles pour bien solidifier, sécuriser les fils, et ensuite je prends les brins à l'intérieur des deux parties, les deux parties qui sont collées, et simplement je couds. Vous voyez, c'est pas compliqué. On va faire ça donc pour
toutes les coutures que je viens de vous montrer et on va se retrouver tout de suite après. Et voilà, une fois que vous avez terminé la couture, vous allez retourner l'ouvrage et on va faire les finitions à l'endroit. Alors, pour les finitions, je vais faire des finitions au niveau des manches et en bas voyez, pour moi j'aime bien quand il y a des terminaisons, enfin des finitions, pardon, comme ça termine bien le travail. Allez, au niveau des manches, on va venir se placer en dessous. Voilà, on pique un peu où on peut. Ok, puisque nous allons avoir des doubles brides de profil. Alors on va simplement monter une maille en l'air, on va travailler des mailles serrées et des picots. Alors, je vais cacher le petit fil en même temps. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un autre. Je vais y arriver. Non, il n'y en a qu'un. Il me semblait qu'il y en avait un autre ici. Ok. Alors, excusez-moi, je me place, donc j'ai fait ma maille en l'air, voilà. Et au même endroit, je vais faire ma première maille serrée, voilà. Et là, nous voyons des mailles serrées de profil, donc on va faire une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Alors, le truc ici, c'est vraiment de faire les mailles serrées les unes pas très loin des autres. On va monter trois mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans les deux brins qui sont ici pour faire le premier picot. Donc, on va faire un picot toutes les trois mailles serrées. Ici, vous voyez, on a une double bride. On va faire trois mailles serrées. Une, deux et trois. À la troisième, un picot. Trois mailles en l'air et une maille coulée en prenant ce brin ici et ce brin ici. Hop et hop. Voilà. Une maille serrée ici entre les, voyez, entre les deux doubles brides. Dans la double bride suivante, trois mailles serré. Alors j'ai une maille serrée, 2, 3, je fais mon picot, hop, ma troisième maille serrée ici dans la double bride, 1, 2, là je vais couper le fil que j'ai caché, j'ai bien tiré dessus pour enlever les petits bouchons de fil et je coupe à ras. Voilà. Une, deux, trois, un picot et ainsi de suite. Un picot et ainsi de suite. Un picot toutes les trois mailles serrées et on se retrouve à la fin du tour. On fera la même chose. Je vais vous montrer comment on termine, bien sûr. On fera la même chose sur l'autre manche et en bas également, en bas de la blouse ici. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin, j'ai terminé par un picot et je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée ici. Et voilà, une maille en l'air pour bloquer le fil. Je coupe, je passe à travers, je serre bien et je cache avec une aiguille à tricot. Voilà, vous voyez, le résultat ici est très joli. Moi, j'adore faire ce point. On va faire la même chose de l'autre côté, donc ici et en bas. Pour le bas, on va faire un picot toutes les 10 mailles serrées. Vous allez voir, on les verra très très bien les mailles serrées, du coup ici. On fera la même chose, mais toutes les 10 mailles serrées, ok? Ici, toutes les 3 mailles serrées, ici, toutes les 10 mailles serrées.
On se retrouve quand on aura fini toutes les bordures. Et voilà le rendu, les amis. Avec des petits détails en bas et au niveau des manches. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça YouTube vous préviendra de mes derniers tutos en ligne. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, aimez-vous et au prochain tuto. Ciao, ciao!